Pas besoin d'aller là. Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. Tiens, salut Oscar. Ma fonction m'interdit toute familiarité, Kate Walker, même si vous êtes ma première et unique passagère. Moi ? Votre passagère ? Oui, vous, Kate Walker. N'avez-vous pas terminé ma fabrication dans ce but ? Si vous le dites. Ce train est magnifique. Je vais être comme une princesse. Ravi que ça vous plaise, Kate Walker. Ce train a été conçu pour accueillir le plus agréablement possible sa passagère. Pauvre Madame Vorarlberg. Je crois qu'elle aurait aimé être du voyage. Ce train n'attendait qu'un seul voyageur, Kate Walker. Alors, c'est un peu comme si je voyageais à sa place. Oscar, si vous étiez à ma place, que feriez-vous maintenant ? Mon mécanisme psychique ne me permet de gérer que les problèmes qui relèvent de mon propre fonctionnement. Il me tarde de rencontrer Hans Vorarlberg, pas vous ? Ce serait pour moi une grande satisfaction. Et soyez sûr, Oscar, que je ne manquerai pas de le féliciter pour son incroyable automate. Merci, Kate Walker. Eh bien, je crois... Je suis décidée à tenter l'aventure, Oscar. Voilà, nous pouvons partir. Votre billet, je vous prie ? Mon billet ? Mais de quoi parlez-vous ? Le règlement est formel. Tout passager de ce train doit posséder un billet. Bien. Et où puis-je retirer un billet ? La seule personne habilitée à délivrer un billet est le guichetier. Vous avez de la chance, son office doit être ouvert à l'heure présente. Vous devriez y aller immédiatement. Que désirez-vous, madame ? Enfin, Oscar, c'est moi, Kate Walker. Effectivement, votre nom est bien Kate Walker. Que désirez-vous, Kate Walker ? Un billet de train. Vous vendez autre chose ? L'unique fonction de ce guichet est de délivrer des billets. Je vous demande de vous activer. Il ferme dans exactement 3 minutes. Que désirez-vous ? Un billet. Un seul ? Oui. Un billet, c'est parfait. Et pour où, je vous prie ? Mais je n'en sais rien. C'est vous qui m'avez demandé de prendre un billet. Un billet donc pour partir.
Voilà, ne le perdez pas. Ce guichet n'est pas habilité à produire de duplicata. Cette recommandation vaut également pour le document joint avec. Qu'est-ce que c'est ? L'autorisation de sortie du train de Valadilène. Le contrôleur risque de vous la demander. Mais, enfin c'est vous le... Attention, il est l'heure exacte de fermer ce guichet. Tenez, Oscar, nous pouvons partir maintenant. Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment, Kate Walker. Gardez-le. Pourquoi ne voulez-vous pas de mon billet ? Kate Walker, je serai intransigeant. Toutes les conditions du départ n'ont pas été remplies. J'ai besoin de valider l'autorisation de sortie. Qu'est-ce que vous pouvez être pointilleux, mon cher Oscar ? Voici l'autorisation de sortie du train. Elle n'est pas signée, Kate Walker. Voyons, Oscar, vous exagérez. Vous venez de me la remettre. Ce train vous appartient-il ? Non. Alors, vous ne pouvez pas sortir ce train de Valadilène sans l'accord de son propriétaire. Je doute que feu Madame Vorarlberg puisse consentir à quoi que ce soit. Dans ce cas, le tampon de son représentant légal fera parfaitement l'affaire. Je vous serai gré de bien vouloir vous dépêcher, Kate Walker. Le départ de ce train est imminent et je me dois de garantir sa ponctualité.
Voici le document homologuant la sortie du train de Valadilène. Merci, Kate Walker, c'est parfait. Tenez, Oscar, nous pouvons partir maintenant? Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment, Kate Walker. Gardez-le. Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez à ne pas prendre ce billet. Tout est en règle, et cependant, voyez-vous, la ponctualité est... L'honneur du machiniste. J'ai bien retenu, Oscar. Et cependant, quoi? Mais que se passe-t-il, Oscar? Pourquoi ne rejoignez-vous pas votre cabine de pilotage? Je crains d'être confronté à un problème mécanique, Kate Walker. Je respecte à la lettre la procédure de démarrage, et cependant, ce train ne veut rien savoir. Si vous le désirez, Kate Walker, je peux émettre une opinion personnelle à ce sujet. Eh bien, je vous écoute, Oscar. Je crains qu'on ait omis de remonter les ressorts de la locomotive. Qu'à cela ne tienne, faites-le, bon sang. Je n'ai aucune idée de la manière dont cela fonctionne, Kate Walker. Il semblerait que l'achèvement sommaire de mon processus de fabrication soit responsable d'une absence d'instruction à ce sujet. Eh bien, je vais m'en occuper moi-même. Ce mécanisme ne doit pas être bien compliqué. Attendez-moi, je ne serai pas longue. Merci, Kate Walker. Oui, Kate, c'est encore moi. Oh, Dan, j'allais t'appeler. Et bien sûr. Tu es fâché? Je viens de téléphoner chez Marson & Lormont. Ils m'ont dit que ton retour n'était pas prévu pour cette semaine. Ah, oui. Et alors, quand comptes-tu rentrer? Je n'en sais rien. Je n'y peux rien, la situation est délicate, tu sais. Au début de la semaine prochaine, sans doute. Ben voyons. Dan, un peu de patience, s'il te plaît. Les enjeux sont plus importants qu'il n'y paraît. Et tu sais combien je tiens à ce boulot. Je présume que cela t'est égal de savoir que les Goldberg envisagent de... Oui, enfin, non. Dan, ce n'est vraiment pas le moment. Je pense à toi. Je t'aime, mon chéri. Bon, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Promis. Je dois raccrocher maintenant. J'ai comme une sorte de train à prendre. Un train? Mais où pars-tu encore? Enfin, c'est insensé, Kate. À la vérité, je n'en sais trop rien. Je t'embrasse fort, tu sais. Kate! Tout est en ordre, Oscar. La locomotive est fin prête à démarrer. Je suis réellement confus. Une telle ignorance de ma part est inadmissible. J'espère néanmoins conserver toute votre confiance, Kate Walker. Je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place. Nous partons. Enfin,